Bonjour. Bien. Alors, donc, notre première table ronde s'intitule « L'aventure des idées » et je pense qu'elle va tourner beaucoup autour du bilan, autour de ce qu'on peut retenir, autour de ce qu'on a appris quand même au cours de ces 8 années et de ces 2 versions, puisque je rappelle qu'en 2010... C'est ça. Le conseil scientifique a été modifié, il y a eu un autre appel d'offres et d'autres entrants, en quelque sorte, sont rentrés puisqu'il y avait 10 équipes et qu'en 2010, il y en avait 15. Alors, je vous présente nos invités, donc Finn Geipel. Je vous présente par ordre alphabétique, on ne peut pas mieux faire. Vous êtes le fondateur de l'agence LIN avec Julia Andy, qui est basée à Berlin et à Paris. À côté de vous, on a Yves Lyon. Ah oui, alors non, ce n'est plus l'ordre alphabétique, je suis l'ordre des chaises. Donc, j'avais envie, Yves Lyon, dans votre travail sur le Grand Paris, de signaler en particulier ce que vous avez pu faire sur Masséna Brunzo. Donc, il s'agit de l'extrémité, si j'ose dire, du 13e. Et je vous encourage tous à aller acheter un tournevis chez le Roi Merlin et à regarder le paysage qui s'est fait à cet endroit-là, entre les voies ferrées, entre le périphérique, entre les bâtiments qui sortent les uns après les autres, et la cimenterie Calcia aussi, qu'il ne faut pas oublier, et voir ce que c'est que de regarder le Grand Paris depuis son extérieur, en quelque sorte. À vos côtés, il y a Antoine Grimbach. Donc, Antoine Grimbach a fait la proposition, il faut bien le dire, la plus célèbre des travaux du Grand Paris, qui est celle qui consistait à dire qu'on allait aller de Paris au Havre et que l'avenue principale, si j'ose dire, de ce Grand Paris, c'était la Seine. Alors, il faut savoir aussi que sur le plan concret, Antoine Grimbach, vous avez été suivi des faits d'une certaine manière, puisque les ports du Havre, de Rouen et de Paris sont maintenant dans un GIE et que, par exemple, Franprix ou Monoprix ont mis toutes leurs marchandises sur la voie fluviale. C'est peut-être pas tout à fait de l'urbanisme, mais c'est pas indifférent. Voilà. À vos côtés, Christian de Porzempart. Alors, je ne me permettrai pas de présenter Christian de Porzempart, mais néanmoins, sur le Grand Paris, je trouve que vous êtes parti dans un combat qui est difficile, qui est celui des liens, celui des traversées, ce que vous appelez les chaînes agrégatives. Je dis qu'il est difficile parce que nous, journalistes, nous voyons beaucoup les élus et franchement, passer les frontières de leur territoire, ils ont bien du mal à avoir cette pensée-là. Et enfin, Roland Castro, vous aussi, vous avez fait un projet qui était très médiatisé, très controversé, sur le Central Park du Grand Paris qui aurait été le parc de la Courneuve. Vous avez un projet qui consiste à en urbaniser les côtés, voire à en manger une petite partie. Je pense que ce projet a été quand même beaucoup à la fois amendé dans la manière dont il avait été présenté, mais aussi il a fait bouger beaucoup les esprits et l'état des lieux sur place. Alors, pour commencer, je vais vous demander tous un peu dans l'ordre que vous voulez. On va être très démocrate. Il y a un micro qui est là. Bon, alors on pourrait dire, on entend souvent des commentaires un peu déçus parce que tout paraît lent. La gouvernance est un problème qui paraît immense à se mettre en place. Donc, sur le plan pratique, on ne peut pas dire que ça y est, il y a des résultats concrets nombreux. Mais en même temps, on doit reconnaître qu'il y a la création de Paris Métropole sur le plan de la gouvernance, donc qui est une complication en même temps qu'elle est probablement une bonne chose. Et puis, peut-être le plus important, il y a une immense transformation des connaissances et des consciences chez les élus, chez les professionnels, par les échanges, de nombreuses conférences, expositions, choses comme ça, même s'ils n'ont pas toujours été parfaitement faites, la transformation de la conscience de ce que c'est le fait métropolitain. Donc c'est un des thèmes sur lesquels on avait commencé notre travail, d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est ? En quoi la métropole, ce n'est pas une addition de 10 villes, ce n'est pas 10 villes à coller, c'est autre chose. Et que ce fait-là, nous n'en avons certes, alors on ne le dit pas à Paris, la qualité de la gouvernance. Dans certains pays, certaines villes, c'est peut-être un peu plus efficace, dans d'autres, beaucoup moins. En général, c'est beaucoup moins. C'est partout, les grandes métropoles sont des labyrinthes monstrueux et difficiles. Cette conscience du fait métropolitain, on l'a
connaît chez les élus, mais aussi beaucoup chez les habitants. Il y a eu énormément de... On a eu à faire des présentations dans différents coins, au Bourget, à Roissy, à Défense, etc., devant les habitants. Et on a vu la conscience, l'intérêt, et ça, évidemment, ça porte beaucoup. Le processus même démocratique de notre organisation, de la gouvernance, fait que ça ira forcément assez lentement. Rien ne ressemble à l'époque des villes nouvelles de l'ouvrier, où l'État pouvait acquérir à prix fixé presque des terrains immenses. Donc on sait qu'on est dans une autre ère et que ce qu'on dit, on ne le verra peut-être pas. Sur le plan du travail même de la IGP, j'ai tendance à dire, parce que vous avez posé la question, Sybille, ce travail collectif. Je dirais qu'il y a eu des échanges, mais il y a eu des travaux individuels additionnés et des discussions. Je ne trouve pas qu'on a fait dans la IGP un travail collectif. Je suis peut-être sévère. C'est une question que j'allais vous poser. De toute façon, je vous l'aurais posée sur ce qui... Je veux pas qu'on se fasse sur la part du collectif. Je voudrais là-dedans. Pas qu'on se fasse du faux. Tout, on est formidable. Non, on n'était pas capable de faire un travail collectif. Nous sommes même à 10, nous sommes très différents. À 10, on peut avoir sur un sujet 4 complices, sur un sujet 2, sur un sujet 6. On a aussi des oppositions. Il y a des idées de la IGP que je ne pouvais pas trouver bonnes. Et donc, il y a eu quand même des échanges. Ça nous a mûri énormément. Mais je ne dirais pas que c'était un travail collectif. Bon, et puis j'ai eu l'impression, vous disiez tout à l'heure, je m'attaquais à un sujet difficile. Cette question-là de la ville des murs, la ville des zones, la ville des camps, la ville de la ségrégation, je pense que c'est un sujet peut-être crucial. Oui, crucial. Donc s'il est difficile parce que les élus sont chacun dans leur périmètre, il n'en reste pas moins que c'est une des grandes questions principales qui se posent, alors je dirais, dans toutes les métropoles qu'on a pu traverser. Alors évidemment, on se dit, on se heurte à des tas de choses techniques, aux droits de propriété, à toutes sortes de choses pour arriver à retransformer, mais c'est faisable et je trouve que c'est une des actions essentielles auxquelles on devrait s'attaquer, évidemment, en grande échelle, c'est-à-dire avec plusieurs acteurs, élus, institutions, bureaux d'études, etc. Je pense qu'il est fondamental. Donc c'est pour cette raison que j'ai l'impression de me répéter, mais je suis revenu régulièrement sur ce sujet. Ça ne m'avait pas empêché d'en traiter d'autres à l'occasion. Antoine Grimbach, quel est votre bilan de la IGP ? Alors, ça dépend de là où je me place, alors, si vous voulez. Je crois que si je me place par rapport au fait que l'AIGP, disons, la consultation qui a été lancée par Sarkozy, il y a eu un appel de candidature je ne voulais absolument pas répondre parce que je pensais que Sarkozy voulait des pyramides, des objets architecturaux. Et ce dont il rêvait probablement. Probablement, mais bon. Et mon ami et complice Bruno Fortier m'a dit « Mais écoute, ça fait déjà de nombreuses années que tu travailles sur la vallée de la Seine avec les étudiants dans le cadre. Vas-y. » Bon, j'ai donc candidaté, j'ai été reçu. Paraît-il, il y a eu des bagarres au niveau du jury en disant que je n'avais rien à voir à venir m'occuper de la vallée de la Seine. Mais j'ai été retenu. Et lorsqu'il y a eu l'exposition au Grand Palais, le président de la République a dit « Voilà, c'est ce projet-là que je crois important. Pourquoi ?» Pourquoi ? Parce que, je veux dire, on a réussi, et je pense qu'avec tous mes amis de l'AIGP, ils ont tous considéré que c'était une question qu'il fallait poser. C'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus réfléchir au niveau de ce que c'est que la ville, même au niveau de ce que c'est que l'urbanisme. Françoise Cheret a été très claire, après avoir été une pionnière dans les réflexions sur l'urbanisme. Son premier grand livre date de à peu près 1970, et avec Christian, on travaillait avec elle. Et en 1990, elle a dit « La ville, c'est fini, tout le monde sait ce que c'est qu'une ville. Les banlieues... Tout ça, tout le monde sait ce que c'est. Par contre, personne ne sait ce que c'est qu'une métropole ou qu'une mégapole. Et c'est le travail sur lequel il faut faire. Moi, je suis un de ces fanatiques de son travail. Et j'ai toujours pensé qu'il fallait commencer à réfléchir sur ce que c'est que le grand, grand territoire, ce que sont les grandes mégapoles du monde. Et qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler du Grand Paris si on ne parle pas de la grande échelle. Donc ce qui s'est passé, c'est que pour différentes raisons, cette idée, elle est maintenant relativement admise.
On a créé, l'État a créé un certain nombre d'institutions pour s'occuper de la vallée de la Seine. Les raisons, elles viennent de Bonaparte, et c'est pas nouveau. Et ensuite, la vallée de la Seine aussi, ça vient du schéma directeur de Delouvrier. C'est qu'on ne peut pas penser aujourd'hui dans le monde une métropole ou une grande ville sans penser à la question portuaire, logistique. On ne peut pas penser sans qu'il y ait une identité. Qu'est-ce qui fonde l'identité d'une grande métropole ? Eh bien, c'est effectivement des éléments géographiques, c'est-à-dire quelque chose qui dépasse le temps historique. Et donc, construire la grande mégapole ouest européenne en articulation avec Londres et Rotterdam, c'est effectivement raconter une histoire qui part autour de la vallée de la Seine, qui est l'origine. Cette idée-là, elle est passée. Et passer les conséquences, c'est-à-dire un seul port, et passer la ligne Paris-Normandie qui est actuellement en cours d'étude d'exécution, et passer la prolongation de la ligne Éole jusqu'à Mantes pour desservir, et passer beaucoup, beaucoup de choses sont faites, très concrètes. Et ce que n'arrive pas à faire l'AIG, ce que n'arrive pas à faire l'État, les collectivités, n'arrive pas non plus à faire l'AIGP. Non, il ne faut, pas demander quand même. Plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Donc il est certain que l'AIGP ne peut pas se substituer. Laissez-moi terminer. Je veux dire que la chose que moi je constate lorsqu'on travaille sur la très grande échelle, c'est l'énorme difficulté à avoir ce qu'on appelle une approche systémique, c'est-à-dire l'énorme difficulté à faire travailler ensemble les gens qui s'occupent des transports, les gens qui s'occupent des ports, les gens qui s'occupent de l'agriculture, les gens qui s'occupent de la culture, les gens qui s'occupent du tourisme, les gens qui s'occupent de l'industrie. C'est-à-dire que la chance qu'on a eue dans les années fastes de l'État, c'est que l'État savait prendre en main des grandes problématiques et faire travailler les gens ensemble. Et pour le Grand Paris, même tout le travail qu'on fait à l'AIGP, on voit que souvent, les gens travaillent dans des secteurs très, très particuliers. On n'a pas réussi. Mais votre bilan de l'AIGP, c'est quand même qu'une idée que vous défendiez et qui d'ailleurs était, comme vous dites, d'une certaine façon dans les tuyaux historiquement depuis longtemps, ce coup-ci, elle a quand même existé. Et oui, il y a un accord formidable. Mais moi, ça ne me satisfait pas que cette idée, ça ne me satisfait pas, parce que je pense qu'il faut pouvoir construire une représentation de l'ensemble de la métropole. Comment est-ce que s'organisent les quatre grands territoires qui viennent s'accrocher à Paris, la plaine du Nord, l'entre-deux fleuves, la zone du plateau de Saclay, la Seine, ces quatre grands territoires, comment est-ce qu'ils font une représentation collective de la métropole? Et ça, je dis que, pour moi, l'AIGP n'a pas mis sur la table qu'il fallait s'occuper de la question métropolitaine à la grande échelle, construire cette représentation, l'éclairer de toutes les expériences qu'il y a dans le monde et pas s'occuper de problèmes que règlent les architectes, que règlent les gens, parce que ce n'est pas un problème de bâtiment, ce n'est pas un problème de logement, ce n'est pas un problème, c'est un problème d'une représentation dans le monde contemporain de ce que sont ces grandes métropoles. Et Paris, et grâce à l'AIGP, peut et doit devenir le lieu où se pense cette question. Le monde entier nous attend là-dessus. On a une avance. Il faut aller au fond de cette histoire-là, c'est-à-dire d'essayer de travailler, parce que ce n'est pas les sociologues, les économistes, les PIB, la démographie, c'est en partant de la forme, de la matérialité, de la réalité des territoires que l'on arrivera. Il faut que l'AIGP arrive à devenir aussi un lieu de réflexion et un lieu d'enseignement et un lieu pour se faire respecter et écouter des politiques sur ce qu'est la très grande échelle. Yves Lion, je voudrais avoir votre sentiment sur votre bilan à vous. Moi, j'ai aucun regret. C'est bien. Commencez par ça. Oui, c'est vrai. Je me suis beaucoup intéressé à la somme des interventions des uns et des autres, à l'époque des 10 équipes et puis plus récemment. Je pense que tout ceci a constitué un bagage très conséquent, qu'aujourd'hui, la situation n'est pas très bonne parce que ça prend du temps d'arriver à convaincre, d'arriver à... Ben, Antoine le disait à l'instant, quoi, il y a eu des grands succès avec son travail, et en même temps, il y a un moment donné où tout ceci s'effrite un peu, parce que, ben, je vais parler simplement, mais... La technostructure, elle n'a qu'une envie, c'est de reprendre le dessus. Et ça, donc pour moi, la chose positive, c'est d'avoir été entendu, y compris sur des territoires
avec, au fond, beaucoup de difficultés, mais à la fin des résultats positifs, et constater aujourd'hui que, au fond, tout ça marche pas mal. Moi, je pense que, je ne sais pas si on est réunis pour aujourd'hui pour se dire que ce n'est pas bien, qu'il aurait fallu faire mieux, etc. Je pense que tout ceci, accumulé, en mettant rien à l'écart, fait une sorte de background pour tout le monde qui permet de travailler très fort sur des sujets sensibles. Par contre, je vois bien aujourd'hui, et là, on a pêché sur une seule chose, je pense, c'est que la technostructure, parce que je vais être très méchant avec cette situation, considère que ce n'était pas notre rôle. Et je suis très fier d'avoir... C'est l'épisode du métro qui vous fait dire ça ? Non, Alors, je résume pour la salle quand même. Architectes de l'AIGP, sur le choix qui a été fait pour le Grand Paris Express, qui est un choix essentiellement souterrain, vous étiez pour une autre solution qui était beaucoup plus en aérien. Non, mais je suis toujours convaincu que la ligne 16 se fera de façon aérienne. C'est dès possible. Dès que le Conseil d'État aura un petit peu changé la donne. Non, je suis sûr de ça, parce que la ligne 15, elle a un tel coût, une telle structuration, elle va apporter des choses extraordinaires. Hein, tout le monde voit ce que sont la 15, la 16. La 15, c'est le sud, et la 16, c'est les quartiers sensibles, on va dire, pour parler français. Voilà. Donc, si vous voulez, on a encore besoin, il faut encore beaucoup convaincre. Moi, j'ai une vision très, très optimiste de tout ça. Je sais que c'est un combat, et pas autre chose qu'un combat, et que pour le mener, il faut avoir une vraie vision. C'est ce que, je crois, tout le monde pense sur cette table. Et je pense qu'il y a aujourd'hui une capacité à entendre ce qu'on dit, et que nous aussi entendions les autres, qui est bien plus grande qu'il y a une quinzaine d'années. Parce que c'était, il y a une quinzaine d'années, le projet de Monsieur le maire, etc. On connaît tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une situation très positive, dès lors qu'on arrive à gagner des combats, et en général, ces combats, ils sont aussi beaucoup des combats personnels sur des sites particuliers. Et il y a des combats qu'on perd, et bien sûr que j'en ai connu, d'autres où on gagne. Et j'ai donc l'impression que cette façon un peu sportive de s'intéresser à l'aménagement urbain convient bien à la situation. C'est-à-dire que c'est pas si facile que ça. Ce n'est pas qu'idéologique. Il faut convaincre. Il faut donner les coups quand il faut, quoi. Finn Geipel, est-ce que vous avez donné des coups en 8 ans ? Si on a après, je poserai la question à Roland Castro, mais je connais la réponse. Je n'ai pas entendu la question. Est-ce que ça a été un combat pour vous, ces 8 ans d'AIGP ? Comment vous les jugez aujourd'hui ? C'était une grande aventure, d'abord. Je crois... les 8 ans, moi, je crois... Pour nous, on peut les partager un peu en 8 mois et après en 7 ans et quelques mois. Je crois au début, le Grand Paris, ça, au moins notre équipe, qui était une équipe de gens un peu venus partout en Europe, c'était une question qui n'avait pas vraiment de référentiel. Il existe des métropoles, mais que quelqu'un lui demande de réfléchir là-dessus, de développer une vision sur un espace qu'on ne peut pas dessiner, qui n'a pas de limites, qui n'a pas de représentations précises. C'était au début complètement déroutant, mais je crois que c'était aussi quelque chose qui a dégagé des énergies pas connues aussi dans notre équipe. Alors, pourquoi j'ai dit 8 mois et après les 7 ans ? Parce que les 8 mois, c'était presque dans une espèce de bulle. On s'est échangé, on a discuté, on a essayé de ne pas dire les idées, mais en même temps, on les a dit, on a confronté, on a pris d'autres idées. Vous avez beaucoup, beaucoup confronté avec les autres équipes ? Vous avez l'impression d'avoir travaillé un peu dans de votre côté, ou bien est-ce que ça a été un petit peu collectif à un moment ou à un autre ?
collectif, comme c'était collectif, c'est-à-dire, je crois qu'on était convoqués plus souvent pour une raison ou pour une autre, tous les deux semaines à Paris, pour présenter, pour discuter, pour expliquer notre démarche. Et je crois que ça, c'était aussi pour nous quelque chose de très fort, parce que je pense des questions de la métropole, c'est des questions qui... C'est beaucoup moins des questions de dessin, mais c'est beaucoup plus des questions de discuter, de confronter, de mélanger, après de revenir et de, peut-être de forger de nouveau. Et aujourd'hui, notre constat, il est que, je crois, le Grand Paris, de dire Paris, maintenant on dit le Grand Paris, c'est toute la métropole, c'est d'un côté en bonne voie, de l'autre côté, nous on a un peu peur qu'on oublie quand même une partie du territoire. On a aujourd'hui, on parle de Paris métropole avec plus que 800 km², avec le métro, avec les stations. De l'autre côté, la métropole, elle est beaucoup plus grande. Et d'un côté, et de l'autre côté, même à l'intérieur de ces territoires du métro, il y aura quand même des territoires qui vont pas être des territoires, qui vont pas être polarités, qui vont pas être la ville dense, qui vont pas correspondre à l'urbanité qu'on rêve. Et nous, on pense qu'il faut aussi trouver des solutions. Il faut aussi travailler là-dessus. Et là-dessus, je crois qu'il y a des manières très différentes à faire, des manières qui viennent beaucoup plus du territoire, de la petite échelle, du grand nombre. Oui, vous, dans vos travaux, vous évoquiez le fantasme de vouloir faire des centralités partout, alors qu'il y a différents types de centralités, différentes. Vous parlez de la ville légère, et dans cette partie-là de la métropole, en tout cas, tout ne se résume pas à une espèce de schéma classique du centre-ville, pour parler en français des gens, non ? Quand oui. Vous parliez des petites initiatives. Oui, on parle pas. Je ne sais pas si on parle de centralité partout. On pense tout simplement que forcément à côté des centralités, il y aura aussi la ville plus légère, la ville peut-être aussi plus flexible, la ville qui peut-être qui va disparaître, qui va devenir paysage ou le contraire. Et là-dedans, il faut, je crois, il faut trouver d'autres manières de trouver des mobilités, de trouver aussi des possibilités pour travailler. On travaille dans certains de ces territoires-là. Et en fait, on est confronté à des tissus qui sont aujourd'hui toujours des tissus uniquement de pavillons, d'habitations, avec aucune possibilité de créer quelque chose, de faire un petit atelier. Et il faut travailler, je crois, aussi sur ces territoires-là, comment on peut les faire émerger, comment on peut les faire productifs. Roland Castro, on va vous passer la parole, si le micro veut bien migrer vers vous, et vous poser la même question. Qu'est-ce qui vous reste de ces 8 ans d'AIGP ? Qu'est-ce que vous en tirez ? Alors, il y a le bilan de l'AIGP. Bon, d'abord, moi, le bilan, il est plus long parce qu'il y a eu le premier Grand Paris avec Cantal du Parme. Juste pour rappeler que ça avait été fait, que bon, le 89, c'est même pas 25 ans, c'est 34 ans. 34 ans. Ça, c'est pour donner la dimension de la durée. Alors, l'AIGP, première manière, a été une sorte de petit miracle. Parce que, pour la première fois, il y avait des architectes, des équipes énormes, enfin bon, qui, d'un certain point de vue, donc, avaient un miroir suffisamment grand pour que les égaux se mettent plutôt dans la situation de la ronde de nuit que dans la situation de la guerre habituelle des architectes les uns contre les autres. Donc il y avait
Il y avait deux fêtes. Il y a Sylvia, par exemple, qui, j'espère, est arrivée malgré les grèves du métro. Elle est là. Qui a essayé vachement de faire que tout le monde se parle. Il y a eu un énorme boulot, enfin, je trouve, de... Alors, Christian a dit de la suite, coexistence. Mais il y a eu un espèce de boulot de congruence. Enfin, moi, je sais qu'à un moment, assez vite, j'avais piqué à Yves Lyon 20 villes de 500 000 habitants, mais la ville était devenue poreuse avec c'est qui. La guerre, Lacan, Deleuze pouvait se développer à travers des discussions avec Christian et ses rhizomes et les miennes sur le réel, le symbolique et l'imaginaire. Enfin, je veux dire que Antoine avait inventé une géographie, inventé une idée formidable, plus d'autres. J'en oublie sûrement, mais je ne vais pas faire la liste. Je me rappelle d'avoir dit à Clouche, t'es directeur des études, parce que lui, il parlait de l'hybridation entre mouvement moderne et histoire de la ville longue, etc. Plus, j'ai dû oublier, je ne sais pas, mais c'est pas grave. Mais pour dire qu'il y a... J'ai un souvenir excellent. On est tous à la mairie de Paris. Et il y a du tilleul. Il y a aussi du tilleul. On est tous à la mairie de Paris, 9 ou 10. Chacun raconte le début de l'histoire. Et l'autre passe à passe à l'autre, ça passe à l'autre, ça passe à l'autre, ça passe à l'autre. Et ça ressemble à quelque chose. Et c'est l'histoire qu'on n'a jamais lue. Hein ? Et c'est l'histoire qu'on n'a jamais lue. C'est bien pour vous, mais pour nous... Alors, non, il y avait 800 personnes à la mairie de Paris. C'était devant 800 personnes. Mais c'est la fois où j'ai le sentiment que y a, bon, ça donnait quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on a été très vite ? Alors, on a été très vite chez Pirandello. C'est-à-dire, on était des personnages en quête d'auteur. En gros, on en savait plus que nos commanditaires. On cherchait désespérément un commanditaire d'une pensée plus avancée que les commanditaires eux-mêmes. Résultat, j'ai été encore plus cruel que Yves Lyon. Résultat, moi, il y a le bilan de l'AIGP. Alors, le deuxième AIGP, c'est... Ça me paraît bon, maintenir une flamme, quoi, et faire coexister des points de vue d'une façon un tout petit peu... Bon, la flamme, voilà. On a ranimé la flamme. Mais surtout, la question... On est quand même aujourd'hui, on est la veille du 18 juin, on est à un moment historique extrêmement étrange de notre République. On a à faire le bilan du politique. Alors, le politique, qu'est-ce qu'il fait ? Il se gourre sur le périmètre. Je suis désolé. Il fait un périmètre qui n'est pas... Considérer que le périmètre n'est pas fixé pour l'éternité de l'éternité. Non, mais il se gourre sur le périmètre. Donc, voilà. Deuxièmement, il n'affiche pas un maire du Grand Paris élu au suffrage universel. Troisièmement, il n'affiche pas des présidents de communautés de communes élus au suffrage universel. Et il n'affiche pas la tâche à donner au maire. Et pourquoi il faudrait afficher tout ça ? Parce que, par exemple, parler politique, 3 secondes, le clientélisme politique, dans certains endroits, nous mène au bord de la guerre civile, je vous signale. Voilà. Donc, il y a le fait qu'il n'y ait pas, alors, il n'y ait pas d'autorité de l'État au niveau de la question du lien social extrêmement menacé par tout ce qui se passe du point de vue des événements extrêmement étranges, une guerre de religion qui se diffuse. Le clientélisme politique à l'échelle communale ne peut pas être combattu pour une raison simple, parce que personne n'a jamais vu un maire cracher sur la gueule de ses électeurs. C'est pas ce qu'on lui demande, d'ailleurs. Mais la question
la question régalienne du vivre ensemble, par rapport à justement ce que ne peut pas faire le maire, n'est pareil, n'a absolument pas été résolue, avec un président de la République dont on peut dire qu'il est culturellement une pure catastrophe. Bon. Je voudrais quand même refaire un peu l'historique pour notre public. Excusez-moi, Roland. Il faut rappeler que quand le concours est lancé, on est en 2008 et c'est la guerre entre le gouvernement et le président Sarkozy et le conseil régional autour du Grand Paris, autour des transports. Et le climat était un climat absolument, excusez-moi l'expression, dégueulasse. Il lance cette consultation qu'il annonce dans un grand discours à la Cité de l'Architecture en essayant de rassembler ce qui était part, comme disent les francs-maçons. Et il arrive avec cette idée d'une consultation. Et tout le monde pensait à l'époque que ce que Nicolas Sarkozy attendait, c'était des maquettes, c'était des images, etc. Le concours est, comment dire, hébergé dans un département du ministère de la Culture qui s'occupe de toutes les recherches et les études en architecture, et ils pondent, enfin la personne qui s'occupait de ça, pond un cahier des charges hyper intellectuel et en plus dans l'optique de l'après-Kyoto. Il faut se souvenir de ça, quoi. On est en 2008. Donc toutes ces questions climatiques qui nous paraissent une évidence aujourd'hui, elles étaient quand même beaucoup plus débattues. Donc il pose une demande qui est une demande intellectuelle et il reçoit, d'ailleurs, le concours reçoit des travaux extrêmement fournis, extrêmement intellectuels et finalement d'assez haut niveau, quoi. Donc ce qu'on peut se dire, c'est que malgré tout, malgré cette difficulté qu'il y avait, souvenez-vous de l'exposition à la Cité de l'Archi, quoi, les gens étaient perplexes quand même, hein. Je parle de monsieur, madame, tout le monde, ils s'accrochaient aux vidéos qu'il y avait à la fin pour essayer de comprendre un peu ce qu'on leur avait montré avant. Et malgré tout, dans ce que vous dites, il y a des idées qui, si on regarde maintenant que la boule à neige est un peu retombée, bah, l'idée du lien, l'idée de la question métropolitaine, c'est-à-dire que les gens commencent à comprendre la phrase de Clouche que moi, personnellement, j'aime beaucoup, qui dit qu'une ville, c'est un lieu qu'on peut dessiner, tandis qu'une métropole, c'est plutôt une condition qu'on peut décrire. Et je trouve que les gens commencent à comprendre ça. Donc il y a quand même, même si la gouvernance n'est pas encore au rendez-vous, même si, de fait, on est encore sur un chemin très communaliste, alors que si on regarde dans le déroulé historique, il est probable qu'on n'en restera pas là, vous avez quand même un bilan plutôt positif, malgré tout. Vous avez fait bouger les lignes. Allez-y, Christian. Christian a envie de répondre. Parce que Roland n'avait pas fini son tableau de l'état politique de notre nation. Donc tu continueras. Donc je voulais juste souligner un point. Il me semble que c'était bien ça, d'ailleurs, le Grand Paris Express, grand train souterrain. L'idée normale depuis la révolution industrielle et l'idée que la ville que nous vivons depuis cette époque, et surtout depuis le milieu du XXe siècle, c'est la ville de l'époque de l'ère industrielle, on y répond par des techniques. Et pourquoi on dit, comme Antoine disait, les services, tout le monde le dit, on avait tous se partagé cette notion que ce qui fait avancer les choses et contre quoi il faut se battre, comme disait Yves Lyon, c'est la technostructure, c'est-à-dire une série d'institutions techniques qui sont dans leur couloir de natation comme des champions, qui ont un budget et un objectif. Et ça, nous avons tous partagé immédiatement et fait connaître l'idée évidente qu'en rien, la métropole pourra être résolue par une addition de techniques. Et ben, il ne s'agit pas seulement du train souterrain. Et pour prendre le train souterrain, il va former des points, c'est-à-dire des lignes rapides qui vont de A à B, donc il y aura des places. Et on pense tous que le territoire n'est pas fait que de points et de places. Alors, si j'insiste sur le fait qu'il faut transformer des voies rapides, des boulevards et des avenues, c'est parce que je pense que c'est beaucoup plus structurant à cette grande échelle qu'une série de places qui ont leur intérêt autour des gares. Donc je pense que c'est cette question qu'on tout le monde a compris que l'addition des techniques ne ferait jamais, ne résoudrait jamais. C'est à la fois territorial, politique. C'est des hybridations de techniques. C'est aussi, je le pense, à certains moments, ne pas oublier que
ça se dessine, et ce n'est pas que de la grande échelle, c'est aussi un enchaînement de petites échelles. Le territoire dont l'espace se connaît de proche en proche. Je pense que c'est quelque chose que tout le monde vit partout et qui est difficile à appréhender, et nous avons des spots, des camps, des murs et des tuyaux. Donc je pense que sur cela, il me semble que tout le monde, tous les maires à qui on en a parlé, ont trouvé une évidence, comme vous l'avez dit. Ils ont dit que c'est très difficile, j'ai du mal à relier. Mais je pense que ça, ce changement, on ne sait pas encore comment faire, mais on sait que ce n'est pas avec des additions de techniques. Et si Yves disait que la technostructure n'attend qu'une chose, c'est reprendre le pouvoir, je suis sûr qu'il a raison, mais je suis sûr qu'ils ne pourront pas le faire avec intelligence. On connaît aujourd'hui, je pourrais décrire 10, 12 exemples précis, où justement la façon dont les institutions techniques fonctionnent, c'est contre la qualité du futur. Dans les technostructures, Yves Vion, il y a quand même une que vous n'avez pas évoquée, mais enfin qui me paraît montante, c'est une technostructure du privé. Parce qu'en réalité, la technostructure d'État, elle a quand même beaucoup souffert, elle a beaucoup été démantelée ces derniers temps, et comme la nature a horreur du vide... si vous demandez aujourd'hui à un maire où est-ce qu'il fait faire son PLU, c'est dans un bureau d'études. Hein. Et vous regardez comment sont aménagées les villes aujourd'hui, les gens de la grande distribution, maintenant, ils ont des filiales immobilières, ils prétendent livrer des quartiers clés en main. C'est quand même un peu aussi ça, la question. Mais enfin, pourquoi je n'arrive pas à comprendre pourquoi je m'ai coupé. Puis non, d'accord, mais on passera la parole à Yves Vion aussi. Je veux bien que ce soit à vous qui faites une conférence. Mais il y a quand même un truc qui m'énerve, j'aurais bien voulu pouvoir dire quand même qu'il n'y a pas d'adéquation entre les exigences politiques du Grand Paris et ce qui est institué. Voilà, c'est tout. C'est quand même, je veux bien qu'on fasse le bilan de la IGP. Mais le bilan de l'IGP, en tant que ces malheureux personnages de Pirandello qui cherchent leur gouvernement, pas leur gouvernance, d'ailleurs le mot gouvernance étant une espèce de mollasserie qui suppose qu'on passe son temps à discuter. Et la question que je soulève, c'est quand même qu'il n'y a pas d'espace politique de la décision intelligente. Le métro est resté souterrain pour 4 fois plus cher que s'il était aérien et 10 fois moins beau, parce qu'évidemment, il faut l'imaginer aérien et l'extraordinaire fabrique urbaine qu'il aurait été aérien, enfin, qui peut encore être aérien, parce que quand on va se percevoir à quel point ça coûte cher de faire en souterrain, on va peut-être passer l'aérien pour le reste. Tout ça dans un système dans lequel il n'est pas clair qui fait quoi. Donc, il n'est pas clair qui fait quoi. Donc, et l'État ne fait rien. Les ministères restent toujours dans le petit Paris. On n'a pas déplié le symbolique dans le Grand Paris. On n'a pas poussé l'exemple du Macval, par exemple, qui a été un musée d'art contemporain dans le Val-de-Marne, bien plus intéressant que celui qui est à Paris, etc. etc. Donc, il y a quand même... une espèce de il n'y a pas d'adéquation, même s'il y a des débats entre nous, entre la hauteur d'ambition qu'ont soulevé la plupart de nos projets et la réponse politique hyper médiocre dans lequel le citoyen n'existe pas, puisque tout se fabrique à 2 degrés, tout se fabrique entre élus, avec une collection de barons et de marquis et de machins. Et toujours pas de Louis XI. Il n'y a pas de Louis XI là-dedans. Le duc de Bourgogne, personne ne lui pète la gueule. Il y en a plein, pourtant. Bon, alors, on y met la couche de la technostructure qui, elle, alors, il y a la politique, il y a l'état du lien politique et l'état de l'administration française. Je voudrais repasser la parole à Yves Vion et quand même dire une chose, c'est que malgré tout, le fait que la IGP ait existé et porter quand même une sorte de parole métropolitaine, ça a aussi aidé à rendre évident
le fait qu'il faille une métropole du Grand Paris. Alors on peut la juger trop petite, trop étriquée, pas sur le bon périmètre et politiquement mal armée, mais néanmoins il y a eu quand même un fait qui a été posé grâce à ce débat d'idées que vous avez fait progresser, je pense. Sur la métropole du Grand Paris, je pense que c'est, on va appeler ça une passade. Ça ne va pas tenir très longtemps, mais c'était peut-être nécessaire. Je ne sais pas, moi, je ne suis pas homme politique, mais peut-être qu'il fallait faire ça pour pouvoir faire le reste. Mais ce que je voulais dire, c'est à propos de la discussion, à propos de ce que disait Roland, c'est que concrètement, le Grand Paris aérien, il coûte deux fois moins cher que le Grand Paris souterrain. Oui, mais quand vous voyez sur place, moi, je n'ai pas d'avis sur la question. Mais je vois juste que sur le plateau de Saclay, il y a une partie qui passe en aérien parce que de toute bien façon... Bien sûr, c'est l'endroit le plus sensible. Ils ne peuvent pas passer autrement sûr, parce qu'ils sont près de Palaiseau et des laboratoires, ça c'est technique. Et après, ils continuent en aérien dans les champs et effectivement, à côté, il y a une espèce de village de lotissement qui n'est pas top top, mais où ils se disent mais pourquoi chez nous, on est le seul endroit où ce n'est pas enterré. Alors, moi, je les trouve d'un peu mauvaise foi, mais peu importe. Néanmoins, vous voyez bien que la réaction des gens vis-à-vis de l'aérien n'est pas si simple. Oui, mais la démonstration n'a pas été faite, parce que de l'aérien, on en a dans tous les pays d'Europe, quoi, qui vont très bien. Donc, cette bagarre-là, elle est liée au fait que, au fond, on était faible par rapport à ce discours. C'est-à-dire que ce qui est aujourd'hui compliqué, mais qui va peut-être arriver, c'est cette espèce de rapport entre le projet tel que nous pouvons l'imaginer et les décideurs. Mais moi, je trouve, ce que je disais tout à l'heure, que je tire un bilan positif de tout ça, c'est que je sens une telle évolution, un tel intérêt, y compris l'intérêt du public, qu'il va falloir être patient, mais ça va arriver. Est-ce que vous voulez dire quelque chose d'autre ou bien est-ce que je donne la parole à la salle, sachant qu'il y a un quart d'heure avant la table ronde suivante ? Oui, un mot, parce que je crois qu'on n'a pas dit ce que vous aviez dit au début, c'est que la consultation était partie sur la métropole de l'après-Kyoto. Il y a eu un très gros travail qui a été fait sur la question de l'après-Kyoto. On n'en parle pas beaucoup, parce que c'est vrai que la COP21 est venue et qu'elle a un peu étouffé tout ça. Parce qu'il faut bien savoir qu'à part l'activité qui a été faite avec le Grand Paris par Pierre Mansa et Mary Ferry pendant la COP21, la COP21 n'a pas abordé la question des métropoles, qui était la seule question où on pouvait essayer de régler le problème de l'après-Kyoto. Donc on a trouvé des solutions. Sachant que les villes ont quand même obtenu le droit, après des années de militance, d'être partie prenante dans la négociation, qui était une négociation d'État à État, traditionnellement. Oui, sauf que la question n'était que... Bon, on n'a pas eu l'écho qu'on aurait pu avoir par rapport à ça, parce que ce n'était pas la question, c'était plutôt le coût de la taxe carbone. Mais ce que je veux dire, c'est que là, je crois que le travail de l'ensemble des équipes sur l'après-Kyoto dans la première phase, elle a montré qu'effectivement, c'est en abordant la question de la grande échelle qu'on résoudrait les problèmes de l'après-Kyoto. Je voulais simplement dire. Et ça, c'est Jean-Robert Mazou. Et sur ce point, je trouve qu'on n'a pas une unité de pensée. C'est peut-être très difficile de l'avoir. Un lieu commun du durable, c'est de dire la ville doit être compacte, donc on ne va pas dépasser. Et puis une vérité, c'est qu'elle est diffuse. Et moi, je crois que le futur, il est hybride de diffus et compact. Mais comme ça ne donne pas une règle, c'est absolument ingérable. L'histoire de Europa City est un exemple. Territoire que nous ne souhaiterions pas voir pris par un privé pour faire une sorte de ville privée qui va vider tout ce qu'il y a autour. Est-ce que tout le monde connaît Europa City et le projet ? Oui, il doit être assez connu. Mais je veux dire, il y a un flou là. Un jour, peut-être, un gouvernement dira eh bien, on fait comme ça. Il n'aura pas tout à fait raison sur tout. On ne peut pas décréter que c'est diffus et décréter que c'est compact en même temps. Donc ça sera toujours des négociations infernales. Et là-dessus, on n'a pas non plus une vision absolue. Donc on s'est trouvé quelquefois en préférant l'ensemble. Je vais juste sur ce point-là faire rapidement, mais c'est un détail. Ça montre. J'ai eu l'impression que l'ensemble de l'AIGP s'entendait plus sur une idée compactons, ne soyons pas dans l'étalement. C'est un petit peu l'idéologie générale. Mais on ne peut pas nier que... Il y a des activités urbaines qui sont à 100 km du centre, 150, et qui auront leur développement. Enfin, on n'arrivera pas
à l'empêcher totalement. Donc là-dessus, sur beaucoup de points comme ça, on s'aperçoit qu'on ne peut pas légiférer d'une manière tranchante. C'est un problème, d'ailleurs. Est-ce que la salle a des questions ? Oui, bonjour. Donc, il faut commencer par remercier, forcément. Il y a eu beaucoup d'idées, beaucoup de schémas, beaucoup de choses. C'est important. Mais le sentiment général, c'est un peu le logo de la réunion d'aujourd'hui. Et par analogie avec l'Internet et les télécoms, c'est les tuyaux et pas tellement de contenu. Donc, on pouvait l'attendre de Sarkozy. C'était déjà pas mal qu'il s'occupe des transports dans toute la région. Mais au-delà, effectivement, la seule chose qui apparaît aujourd'hui, c'est Europa City. Et c'est le grand vainqueur, comme vous l'avez un peu dit, c'est le privé devant l'absence totale d'État qu'on a démoli consciencieusement. Et que ça soit la ville de Paris dans les dernières sorties au public, comme le Forum des Halles, sur lequel on s'est battu pendant une quinzaine d'années pour qu'il y ait un enjeu métropolitain et que la mairie n'a pu que le vendre au privé à Unibail et inaugurer au moment où il y avait Nuit debout à République, où inconsciemment, parce que c'était inconscient, là, il se trouve que la ville a supprimé le rond-point, comme on en a tellement en France, à République, et on a fait une place où il y a eu un événement du débat expérimental. Alors, pour qu'il y ait du contenu, je pense que c'est très bien qu'il y ait non seulement pas des architectes, mais des urbanistes, mais surtout qu'il y ait de l'expérimentation sociale, politique, comme ça va se faire à Saint-Denis avec les territoires expérimentaux autour d'Ars Industrialis. Donc moi, je souhaiterais qu'on fasse une large place à donc des territoires qui puissent faire toutes les alternatives dans le contexte d'un monde qui ne va pas du tout être le même d'ici 10-20 ans, qui parle de l'économie contributive, de toutes les alternatives à cette économie. On va prendre une autre question, parce qu'on a un quart d'heure, alors ce n'est pas beaucoup. Voilà, monsieur. Et puis après, on en prend trois et on répond. Bonjour. Je connais ce monsieur. Oui, quand elle lui part. Bon. Oui, moi, je voudrais simplement, très brièvement, dire une chose. Dans la première mouture, la IGP dans la première mouture, il y a beaucoup de tribunes libres que certains d'entre nous ont fait paraître dans les journaux. C'est-à-dire que c'était un endroit un peu rebelle par rapport au mécanisme. Deuxièmement, je voudrais rappeler une chose très importante. Dans la loi sur le Grand Paris, l'AIGP est indiquée comme point de passage obligatoire, doit être consulté sur tous les grands aménagements de l'agglomération, enfin de la grande agglomération parisienne. Qu'en a-t-on fait ? Et la troisième question qui est là de l'autre côté, et après on répond. Bonjour, je m'occupe d'un projet qui s'appelle Le Grand Paris vu de nos fenêtres. Et avec les. Donc on. Si vous pouvez vous lever, pardon. Me demande-t-on. On veut vous voir. Oui, où on va avec un certain nombre de jeunes dans tous les territoires de banlieue pour inciter les gens à nous parler de leur Grand Paris. Et ce que nous disent les gens aujourd'hui, c'est que ce qu'ils connaissent... Alors, il y a une très grande différence entre les villes qui reçoivent des gares du Grand Paris et les autres villes. Mais les gens, soit ils nous disent qu'ils sont de leur ville, le fait métropolitain n'est pas encore passé dans le grand public. Il est passé auprès des acteurs locaux, auprès des décideurs, mais auprès du grand public, c'est encore quelque chose qui est pour eux une technostructure, un nouveau millefeuille, mais pas encore quelque chose qui est approprié. Et puis l'autre chose que je voudrais souligner, c'est que la sensation qu'on a, nous, en interne, c'est que aujourd'hui, l'acteur qui semble avoir le plus de pouvoir, pour dire simple, c'est la Société du Grand Paris, beaucoup plus que le gouvernement de la métropole, de la région, de la ville de Paris. Ce qui est étrange, c'est un aménageur, la Société du Grand Paris. C'est une société de construction, c'est pas seulement, ils ne sont pas en charge d'une vision.
Je vous proposerais bien de grouper deux questions, celle sur les contenus et le grand vainqueur que serait le privé qui s'incarne entre autres, enfin en particulier dans Europa City, et sur le pouvoir de la SGP. Alors, ce qui est drôle, c'est que madame a dit qu'elle était un aménageur. Elle n'est même pas un aménageur. Il se trouve que la loi lui donne le droit d'aménager autour de ses gares. Mais de fait, la SGP, c'est d'abord le constructeur d'un métro. Est-ce que l'un d'entre vous veut répondre sur ce groupement des questions? Puis après, on passera sur le rôle de la SGP par rapport à la loi Grand Paris. Oui, je ne sais pas où est le micro. Ah, voilà. Dire un mot sur la SGP, parce qu'au fond, on est souvent confronté. On ne peut pas dire qu'on soit vraiment bien accueilli. Quand on a avec soi tout un dispositif urbain, mais au fond, à la fin, on y arrive. C'est-à-dire que c'est un combat, mais noble. Et c'est l'essentiel, quoi. Et on y arrivera. Mais pour ça, il faut avoir un peu des armes, il faut avoir un peu de force, il faut avoir une SGP ou son équivalent... peu costaud, qui peut donner un avis. Enfin, il manque ça. On a été très fort pendant grâce à Dutilleul, à une époque, on a été très fort sur la question du métro, parce qu'on était tous ensemble à décrire des situations et à faire une vraie proposition. Ça n'a pas marché pour des raisons. Ça n'a pas marché, mais ça a aidé beaucoup, puisqu'à l'époque, oui. Je rappelle qu'il y avait deux débats publics en parallèle. Les gens qui venaient à ces sessions étaient assez étonnés et demandaient, mais vous ne pouvez pas vous mettre d'accord sur juste un schéma, ça nous arrangerait. Et l'intervention de la SGP a beaucoup aidé à cette obligation, mais enfin, on était dans une situation assez grotesque. Je voudrais simplement une anecdote, c'est que dans l'étude du système de transport qu'avait mis en place Christian Blanc, tout le monde parmi nous n'était pas d'accord. On n'était d'abord pas d'accord qu'il soit souterrain. Et ensuite, bon, il y avait un nombre limité de gares. Il faut bien savoir qu'ensuite, pour pouvoir avoir l'appui de l'ensemble des collectivités locales, pour pouvoir monter le financement absolument pharaonique de la SGP, tous les élus où il y avait potentiellement des gares ont été consultés. Évidemment, et c'est légitime de la part des élus, mais pas légitime de la part de l'autorité qui est la SGP, c'est que tous les élus ont dit bah, la gare, bah, ça serait bien qu'on l'avait près de la mairie. OK, d'accord. Ça veut dire que tout d'un coup, on a des gares qui sont contraires absolument à ce que l'on voulait faire, c'est-à-dire que les gares soient des systèmes qui génèrent de l'urbain et de la densité, parce qu'il n'y a pas un maire, et c'est légitime aussi, qui va démolir les pavillonnaires parce que la station est là. Ça commence quand même quand vous voyez la gare, ben, si vous voulez, je pourrais en prendre n'importe lequel, les trois quarts des gares, on ne fera pas ce que font tous les pays du monde, c'est que quand on fait une gare, on contrôle le foncier autour et on construit et on se paye le transport par la plus-value du foncier qui est là. On ne peut pas le faire. Eh ben, je trouve que c'est une faute grave de la SGP et une faute grave des politiques de ne pas avoir été suffisamment cohérent avec l'idée qui était celle de base au début, c'était de placer les gares et de favoriser l'émergence de centralités qui pourraient plus financer le métro. Bon, je ne veux pas faire l'avocat du diable, mais 80% des gares sont connectées au réseau actuel, alors donc elles doivent bien être placées, pas totalement par hasard. Je voudrais que vous répondiez sur l'histoire de la SGP. Est-ce que vous n'avez pas pris la place, au fond, ce que demandait Michel Cantal-Dupart, la place que la loi vous permettait de prendre, d'être finalement le point de passage d'avis qu'on évacue pas? La réponse était, nous, on n'y peut rien. Donc, non, Pierre Mansa. Moi, je n'ai pas tout à fait la même lecture que Michel de la loi. La loi, précisément, dit que la SGP est consultée sur ce qui s'appelle l'intérêt métropolitain, c'est-à-dire de savoir ce qui appartient à la métropole, au territoire ou aux communes. Et la SGP, et peut-être la loi dit, peut-être associée au projet métropolitain. Donc le projet métropolitain n'est pas encore sur le tapis, malheureusement. C'est un sujet qui a été esquivé depuis de très nombreuses années. Le projet, tel que l'on dit, la vision globale, le récit et tout ça, ça va venir. Et peut-être que la IGP sera effectivement à ce moment-là sollicitée. Mais il va falloir se bagarrer pour que ça soit le cas.
En tout cas, c'est tout le malheur qu'on lui souhaite. On va prendre une dernière question, puis après on passe à la table ronde suivante. Bonjour, Michel Berthet. J'ai passé 35 ans au service construction de la régie immobilière de la ville de Paris. Et je voudrais faire simplement une remarque. C'est que la ville de Paris est dotée d'instruments extrêmement puissants de production urbaine et de production de l'architecture. Et que s'il n'y a pas une structure, qui n'est pas une structure de consultation, mais qui est une structure de travail, s'il n'y a pas une usine à programmer de manière puissante et créative de l'urbanisme et de l'architecture dans le périmètre du Grand Paris, eh bien c'est Paris qui continuera à avoir la machine puissante et qui continuera à conforter son image, et le reste suivra comme il pourra. Ça me paraît, je veux dire, tout à fait évident. Donc, ce n'est pas d'une consultation qu'il y a besoin. C'est d'un outil, et d'un outil puissant. Quelle forme il doit avoir, je ne me prononcerai sûrement pas là-dessus, mais je sais qu'il en faut certainement. Voilà, j'ai passé quand même 35... Combien de temps ? Alors, moi, je vous pose une question, vous qui posez une question. Combien de temps vous leur accordez pour devenir cet outil incontournable ? Ah, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut qu'ils le fassent. Et je leur souhaite de tout mon cœur qu'ils le fassent, parce que c'est un très bel enjeu et je crois que ça vaut vraiment le coup d'essayer. Voilà. Quelqu'un veut parler par rapport à Paris et à la puissance? Non, mais à Paris, il y a un maire. Donc, si pour faire cet outil à l'échelle du Grand Paris, on voit bien qu'à un moment donné, il faudra qu'il y ait une capacité... exécutive ou de décision. C'est vrai que ce serait le but à atteindre. Vous vouliez parler... J'ai senti que Mireille et... Mais il y a Daniel Géraud et Mireille avaient des discussions sur la position des gares, mais c'est peut-être, on n'a peut-être pas le temps. Oui, merci. Daniel Giraud, maire d'Elila. Je vous trouve morose et pessimiste, et je déplore cette morosité, ce pessimisme. Explication. Le premier débat sur le Grand Paris, à l'initiative des élus, Henri Cellier, André Morizet, etc., il s'est interrompu brutalement avec la Deuxième Guerre mondiale. Il n'a repris que 40 ans plus tard. Et entre-temps, il s'est passé rien. On a fermé le bouquin, on l'a mis sur l'étagère. Ensuite, il a fallu attendre que Castro et Cantal Duparc fondent Banlieue 89 pour qu'on rouvre le débat sur le Grand Paris, sauf que ça s'est heurté à un certain nombre d'opposition et que là encore, ça a été refermé. Il a fallu pratiquement 30 ans pour que ça revienne à l'agenda politique, à l'initiative, à mon avis, hein, de deux personnes, Delannoy, avec bien sûr Pierre Mansa et Sarkozy, hein, qui ont relancé le Grand Paris. La différence sur cette troisième séquence, c'est qu'il ne se passe pas rien. On peut considérer que ce qui se passe, ce n'est pas à la hauteur des ambitions, mais quand même, la métropole existe institutionnellement depuis 6 mois seulement. Et après, moi, je pense, que, comme toi, Castro, que c'est un système évolutif. Je ne suis pas d'accord avec toi sur la présidentialisation. Je pense que si la présidentialisation résolvait tous les problèmes, on le saurait, et ce n'est pas le cas. En revanche, je suis entièrement d'accord avec toi sur le fait que la loi MAPTAM, corrigée par la loi NOTRe, est très proche de la perfection, à juste quelques petits détails près, qui sont le périmètre, les ressources financières, les compétences. Donc je crois qu'effectivement, il faudra bouger. Alors les élus ne veulent pas le grand Big Bang, ils veulent des ajustements. Mais ajustement, ça veut dire évolution et bouger. Je crois que le périmètre, le vrai périmètre, pour moi, ça ne peut pas être le périmètre un peu étriqué des 4 départements de cœur métropolitain. Pour moi, la métropole, c'est la grande ville. Et la grande ville, c'est ce que l'INSEE appelle l'unité urbaine. Donc ce n'est pas 7 millions d'habitants, c'est 10 millions d'habitants. Ensuite, sur la question, je vous fais grâce, c'est des questions financières, mais sur la question de la gouvernance. Je pense que l'intercommunalité est quelque chose qui marche assez bien dans ce pays. Et globalement, la différence depuis que la métropole a été créée, c'est qu'on est passé d'un, puisqu'on parle des architectes, d'un bâtiment R+1 à 2 niveaux dans l'organisation du bloc communal, la proximité avec la commune et le périmètre de projet avec anciennement les communautés d'agglomération, désormais les territoires, un bâtiment R+2, 3 niveaux, toujours la commune, toujours les territoires, et maintenant la métropole pour les grandes options stratégiques. Alors après, on peut discuter plein de choses. On peut dire que c'est un peu aberrant de découpler entre l'habitat d'une part et les transports à la région. Ça, j'en conviens volontiers. Peut-être qu'il faut arriver à terme à une synthèse. Mais je pense qu'on ne part pas de rien, qu'il n'y a pas rien, et que vous avez une place énorme. Parce que nous, les élus, on n'est pas des visionnaires, on n'est pas des urbanistes, on n'est pas des architectes, on a une fonction qui n'est pas celle-là. Et donc, si vous ne vous emparez pas de la matière pour vous bouger et vous montrer et imposer le débat, ben, peut-être le débat n'aura pas lieu. Donc, je crois que la balle est dans votre camp. Et voilà, c'est dit. Alors, je voulais aussi d'ailleurs signaler à cet égard que dans le texte de Daniel Béard qui est sur notre site,
lui souligne que la révolution qui s'est passée et dont personne n'a parlé, c'est l'intercommunalité en Île-de-France, puisque, comme vous savez, c'était le dernier bastion de la résistance pendant que tout le pays avait intercommunalisé sans trop râler. Là, on avait beaucoup, beaucoup de communes isolées et que ces gens passent directement du statut de commune isolée au territoire qui fait 300, 400 000 habitants, paf, d'un seul coup, d'un seul. Et jusqu'à présent, ça n'a pas trop râlé. Est-ce qu'il y a encore... Alors, il y a l'intervention de Mireille Ferry. Est-ce qu'il y aura une question, sinon, dans la salle? Non. Allez-y, Mireille, allez-y. Merci. Non, c'est parce que j'ai réagi tout à l'heure sur à la fois sur le bilan global et sur l'histoire du transport. S'il y a, pour moi, dans le souvenir de la première époque, celle de la consultation internationale, un fait qui a marqué dans tout ce que vous avez évoqué, curieusement, une chose n'est pas apparue qui pour moi était essentielle à l'époque, c'est votre souci de partir des infrastructures déjà existantes ou des structures déjà existantes. Vous aviez introduit avec le conseil scientifique de l'époque la notion de réemploi, et en disant ce que vous avez encore affiné dans la deuxième période, c'est-à-dire on part de ce qui existe, on ne se raccroche pas à une belle histoire du futur peut-être, et dont on ne sait jamais si on l'atteindra ou pas, mais on part du présent. Et quand le débat s'est tendu avec Christian Blanc, c'est bien parce que l'architecture qu'il proposait de transport, le fameux grand 8 de l'époque, était une architecture orpheline. Elle se suffisait à elle-même, elle ne se connectait à rien, techniquement même, elle n'avait rien à voir avec la structure de transport existante. Et il a fallu tout votre combat, avec effectivement tout l'apport du Tilleul à l'époque, pour dire, mais une infrastructure n'est valable pour structurer une métropole que si elle se connecte et si elle donne plus de valeur à ce qui existe déjà. Dans cette façon d'aborder la structuration d'une métropole, rajouter du neuf, mais à condition qu'il donne plus de valeur à ce qui était déjà avant, cette idée-là du réemploi, du partir de l'existant, du refus de l'infrastructure orpheline, pour moi, est un des grands acquis de la IGP. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai un peu bondi en disant, finalement, grâce au débat, ça s'est interconnecté. Grâce à ce que vous avez apporté, ça s'est interconnecté non seulement parce que c'était une bonne idée, mais aussi parce que c'était presque un concept, partir de l'existant, s'articuler, prendre prétexte. Il y a eu un autre acteur, et vous êtes bien placé pour le savoir, Mireille, il y avait quand même le Conseil régional, c'est-à-dire que la provocation de Sarkozy et de Christian Blanc ont quand même beaucoup poussé la région à bouger sur son terrain et à regarder quels étaient les besoins de la réparation, précisément, et de l'amélioration du réseau existant. Donc, on était vraiment dans cette pensée-là. Oui. Et c'est ça qui a permis de faire le plan de mobilisation et qui fait que, sur les milliards de la SGP, il y a quand même des milliards qui vont dans les RER actuels. Cette négociation-là est arrivée quand même aussi. Donc, tout a bougé avec cette histoire-là. Ça n'est pas moi qui vais le nier. Ce que je veux dire, c'est que la négociation que nous avons engagée à l'époque, là, je reprends ma casquette régionale, parce que la négociation que nous avons engagée à l'époque, elle était très pragmatique, mais elle a pris un sens et un relief particulier parce que les travaux de la consultation et l'unanimité, là, il y avait un vrai travail collectif des architectes derrière le travail de Dutilleul pour dire cette notion au cœur du réemploi et de l'amélioration de l'existant par le neuf, ça nous a apporté un outil fabuleux qui donnait un sens et une portée supplémentaires aux soucis de la région. Donc là, ça s'est extrêmement bien articulé, mais je voulais le signaler dans les apports. En tout cas, ce qui est sûr, dans le souvenir que j'en ai, c'est que la région était dans une position très défensive et que votre intervention a quand même permis de trouver la troisième voie et de sortir de cette espèce de combat où d'un côté on avait l'agression par Christian Blanc, la défense par Jean-Paul Huchon, et que vous avez offert quelque chose qui permettait de trouver la porte de sortie même si ça n'était pas celle que vous vouliez. Donc, dont acte. Est-ce qu'il y a encore une question? Oui, là il y a un jeune homme, je crois, et une personne, et après on arrête. Moi, je suis un vil représentant du privé. J'ai quand même des idées. Je voulais vous demander, est-ce qu'on n'a pas mis la charrue encore avant les bœufs? Le Grand Paris, c'est avant tout, on dirait, un projet de transport dans le but de décongestionner aussi un peu la région, de faire respirer un peu les franciliens.
mais je n'ai pas l'impression qu'on a atteint un degré de vision qui peut être celui qu'on a eu dans les années 60, contestable sûrement, mais avec, où on a mis les villes nouvelles avant de créer des transports. Là, on a créé le transport, mais on n'a pas repensé la ville. Moi, en tant que bête jeune de 28 ans, je me dis, bah, c'est bizarre, il y a la Défense qui est au nord-ouest, là, dans une zone à moitié peu dense, finalement, parce que tout l'ouest parisien est très peu dense. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit qu'il fallait rééquilibrer sur une tangente Orly-Roissy avec un pôle dans le Val-de-Marne équivalent, voilà. On a mis Saclay à un endroit où il y avait des choses un peu radioactives dans les années 50. On s'est dit, voilà, l'école polytechnique, il faut la refaire, mais on ne va pas la refaire. On va construire autour et puis on va tout démolir, reconstruire, hein, parce que ça coûte à peu près le même prix. Voilà, on a fait des choses avec l'existant, comme si finalement il n'y avait pas eu d'idée depuis les années 60-70 de qu'est-ce que devrait être réellement Paris en termes de rééquilibrage des fonctions. Voilà. Mais par contre, je trouve que c'est très bien en soi d'avoir fait ce transport qui était nécessaire. Donc voilà, je retire ma question. Est-ce qu'on n'a pas mis la charrue avant les bœufs ? Merci. Et on en prend une deuxième qui était, je ne sais plus, quelque part par là. Et après, on répond et après, on termine. Non, je voulais juste apporter un témoignage. C'était sur le montage de la consultation. Au départ, parce que j'ai un peu rédigé le cahier des charges, on m'a dit de toute façon, ça ne marchera pas parce que vous aurez 10 projets contradictoires et absolument incompatibles. Or, la table ronde s'appelle l'aventure des idées. Et ce que je crois qu'il faut bien dire dans l'apport des architectes et de l'IGP, c'est qu'ils ont dégagé, à travers des visions différentes, il y a quand même 7-8 grandes idées communes qui ont fait complètement, me semble-t-il, bouger les choses, le rapport avec les fleuves, la densité, les transports, etc. Et je crois que c'est ça, l'aventure des idées qui a été un immense apport et la liberté des idées. Non, ce qui est l'impression qu'on peut avoir, c'est que le train de Sarkozy prenait le problème à la manière classique, technique. Une nouvelle grande technique va résoudre le problème. Et tous... Quand j'ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de travail collectif, j'étais très injuste. Il y a eu de la part de nous tous un accord évidemment immédiat pour dire ce grand train pose plus de problèmes qu'il n'en résout. Et en tout cas, il est un objet qui n'a pas la qualité qu'on voudrait. Donc on s'est tous penchés sur les questions de rééquilibrage de tout cela. Mais on n'a pas effectivement trouvé, et peut-être parce que ce n'est plus l'époque, on n'a pas fait le grand pari de Delouvrier en définissant une alternative à des villes nouvelles ou des choses comme ça. Mais on s'est tous posé le problème de manière différente de la croissance. À propos de ce que disait Mireille, je dirais que je pense qu'un des moments les plus mémorables pour nous de la première saison, c'était ce séminaire. Je ne sais plus où on était, dans un truc lointain, une sorte... un club de golf, je ne sais pas où, quand on a fait le séminaire... sur les transports. C'est pas à Clairefontaine, c'est après. Sans cri... Ah, c'était pas du foot, c'était du rugby. On était dans un endroit loin et on a passé un séminaire, tous enfermés ensemble. Et c'est là qu'on a fait les 20... à faire 24 lignes de métro, à éviter le caractère centrifuge, à remettre en question le Grand 8. Et c'est de là qu'est sortie une proposition... qui a dénoué, c'est celle dont vous parlez, Sybille, qui a dénoué la question avec la région. Et ça, c'était un moment où on était vraiment en ping-pong dans la discussion, où il y a eu vraiment un travail collectif. Et il faut ajouter que Maurice Leroy a joué un rôle politique, quand même, de décoinceur, parce que c'est ce qu'il sait faire. Donc il y avait quand même... je ne sais pas, moi, si on est dans les anecdotes, la résistance de la région était épouvantable. Je me souviens très bien d'avoir dit à Huchon, il y a 15 ans, t'as la tête d'un œuf au plat. Et dans l'œuf au plat, il y a un jaune. Donc la seule légitimité pour fabriquer le jaune, c'est toi. Et on devait dîner. Et le dîner a été annulé. Il me dit, au fait, pourquoi doit-on se voir ? Et je lui dis, pour t'expliquer ça. T'as un œuf au plat. Et mais lui, non, surtout pas. Il fallait saupoudrer. La pensée du saupoudrage était la pensée dominante, avec confondant d'ailleurs la région Île-de-France avec une région rurale. Ajoutons quand même qu'il y a un truc sur le politique qui est vraiment dramatique, c'est qu'il y a eu un découpage régional. Il y en a un qui n'a pas été fait. C'est quand même que la Normandie et l'Île-de-France auraient dû être attachées. Ou alors, ou alors tout le monde se gargarise de ce qu'a raconté Antoine et Victor Hugo.
derrière Victor Hugo, mais quand même, normalement, il eût été extrêmement pertinent que la région Île-de-France soit rattachée avec les deux Normandies, et du coup, d'ailleurs, Madame Pécresse ne se sentirait pas obligée de raconter encore une connerie, c'est-à-dire, le Grand Paris, c'est la région. Voilà, à nouveau. Ce qui est, et l'histoire des oscillations politiques est quand même inouïe. Au gré des majorités socialistes ou pas, il y a des décisions qui sont prises ou pas, et des décisions inverses. Il faut quand même dire tout ça. Donc je veux bien que tout est infusé, tout est vachement sympa, on est déprimé, d'accord, mais vous nous déprimez. Les changements législatifs qui ont eu lieu au gré des majorités, mais c'est une honte. Et ce Grand Paris qu'on appelle brusquement, parce que la gauche passe, le nouveau Grand Paris, qu'est-ce qu'il y avait de nouveau? Ça continue, un Grand Paris, droite ou gauche. Ça n'a pas de rapport. Il s'agit d'histoire de France, il ne s'agit pas d'histoire de boutique à la con.